Bonjour tout le monde, cette vidéo concerne les trombonistes des classes de CM1, CM2 et nous allons jouer le numéro 131 dans votre méthode Kumbaya. Voilà, le 131. Donc je vous rappelle que nous jouons la ligne C, hein, d'accord, la troisième ligne. La ligne C, on a deux lignes à jouer. Et ce morceau, on l'a déjà joué assez souvent, donc vous le connaissez bien. On va le refaire en entier. Veillez bien à regarder l'armure. Donc l'armure, hein, ce qu'il y a au tout début de la phrase, on a trois bémols. Le si bémol, hein, le si bémol qui est à la première position. Le mi bémol qui est à la troisième position. Et le la bémol. Le la bémol est aussi à la troisième position. D'accord ? Je vais commencer par jouer toute la première ligne, la ligne C, hein, et ensuite jouerai la deuxième ligne, et on va détailler tout ça. Donc c'est parti, jouez en même temps que moi, on joue toute la première ligne en entier. On est dans une mesure à deux temps, et la nuance c'est mezzo forte. C'est parti, et attention à bien faire les mi bémol à la troisième. 1, 2, 1, 2. Voilà, donc je détaille, on commence au début. Mi, mi, mi bémol, mi, 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 mi. Mi, mi, ré, 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 do, do, si bémol. Voilà. Attention à ce rythme, à la deuxième mesure. Première mesure, on a noir, noir, noir pointé, croche blanche. Donc, veillez bien, je reprends au début les trois premières mesures. Veillez bien à faire cette noir pointé croche à la deuxième mesure. Donc, je joue les trois premières mesures. Jouez en même temps que moi. 1, 2, 1. Là, j'ai joué les cinq premières mesures, en l'occurrence. Attention à votre rythme. La blanche liée à la noire, on a bien deux temps plus un temps. D'accord ? Suivi d'un soupir derrière. Donc veillez bien à tenir ce mi bémol trois temps, hein, la blanche liée à la noire. Je vais jouer maintenant à partir de la septième mesure. D'accord? La septième mesure jusqu'à la fin de la ligne. C'est parti. 1, 2, 1. C'est le même rythme qu'au début, donc pas de surprise. On prend maintenant la deuxième ligne, la deuxième et la dernière ligne, hein, toujours la C. Et c'est parti, je joue les 1, 2, 3, 4, 5, les 6 premières mesures de la deuxième ligne. C'est parti, jouez en même temps que moi. 1, 2, 1. Exactement la même chose qu'au début, rien ne change. Ensuite, on passe aux 5 derniers, aux 6 dernières mesures, pardon, 1, 2, 3, 4, 5, 6 dernières mesures. On part sur le Do à la sixième. On a donc Do, Si bémol, Do, La bémol, Si bémol, Mi bémol. Voilà, votre La bémol, il est ici à la troisième. Donc, je prends les 1, 2, 3, 4, 5, 6 dernières mesures du morceau à partir du Do blanche. C'est parti. 1, 2, 1. Ouais,
la nuance piano à la fin, ça diminue. Trois mesures avant la fin. Et on est piano pour la dernière tenue, les deux blanches qui sont liées. Piano. Voilà, on reprend du début, on va jouer le morceau en entier. Donc préparez-vous. Et c'est parti. On recommence avec une nuance mezzo forte. C'est parti, on joue le morceau en entier. 1, 2, 1. Surtout à la fin, faites bien cette nuance piano, qu'on entende la différence avec la nuance du début. Voilà, c'est tout pour ce morceau-là. J'espère que vous allez toutes et tous bien. On se retrouve très bientôt.